Bonjour, c'est le bulletin de ce jeudi 4 juillet. En début de matinée, les conditions météorologiques resteront plutôt estivales et surtout ensoleillées à compter de samedi. Confirmation sur l'image satellite de ce matin, on retrouve déjà les bienfaits de l'anticyclone qui devrait d'ailleurs concerner l'ensemble du territoire à compter de samedi, apportant beaucoup de chaleur mais également pas mal de soleil. En tout cas, pour ce matin, nous retrouverons encore malheureusement quelques ondes résiduelles sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par le massif central. Quelques éclaircies qui reviendront surtout en fin de matinée à partir des côtes de la Manche. Ça gagnera progressivement le bassin parisien. Pour les températures minimales, elles sont encore assez basses. Au lever du jour, seulement 10 degrés du côté d'Amiens, 10 dans Paris, 13 à 15 sur la façade atlantique, 15 autour des Pyrénées. Puis le maximum sera pour Montpellier avec 18 degrés. Dans l'après-midi, on gardera toujours un ciel bien encombré de nuages sur toutes les régions situées au nord de la Loire avec encore quelques ondées à la clé. Partout ailleurs, on aura un temps de plus en plus sec et davantage de soleil. Pour les températures maximales, ça commence à remonter tout doucement. On aura 18 du côté d'Amiens, 19 sur Strasbourg, 26 du côté de Biarritz, 23 pour Nice et Cannes, 19 seulement du côté de Cherbourg. Pour les prochains jours, regardez, c'est plutôt réjouissant. On aura beaucoup de soleil au moins jusqu'à jeudi prochain, quelques nuages inoffensifs qui circuleront les après-midi principalement sur les frontières du nord et de l'est, et puis des températures qui s'envoleront, une moyenne de 25 à 27 sur la moitié nord entre samedi et mardi prochain. Ça grimpera jusqu'à 33, 34, voire même 35 degrés sur les régions du sud-ouest, notamment pour ce lundi à la mi-journée. Puis vous noterez aussi une petite baisse de ces températures à partir de mercredi, mais ça restera toutefois estival. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juillet, nous fêterons les Florents. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions, nos répondeurs, notre site internet, notre groupe Agatha Dim. Passez une excellente journée et à ce soir.